Le tirage a été fait juste avant que j'enclenche la vidéo. La paix, le sceau de Salomon et le silence. Ça me parle de ton hôte, ça parle de la personne qui est dans le silence et la distance te concernant. Il était persuadé, je dis bien il était persuadé que en étant dans le silence par rapport à toi, ça lui permettait en fait de retrouver une certaine sérénité, une certaine paix. Prendre conscience que je sais qu'il y a quelque chose entre nous, mais aujourd'hui, je n'en ai pas envie, j'ai pas le courage, j'ai pas envie d'avancer avec toi. En tout cas, c'est vraiment ce que je veux et pour le coup, je t'ai imposé le silence. Pour avoir, on parle de la tentation, tu la vois pas, mais elle est ici, la tentation de l'engagement. Pour aller vers d'autres personnes. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une rencontre inopinée qui s'est présentée dans la vie de ton autre. Il n'a pas voulu faire les choses mal, vraiment. Ça veut dire qu'il a préféré mettre un terme à la relation pour aller vers une autre personne. Mais en fait, il y a eu comme une forme de culpabilité, tu vois, la culpabilité de l'adversaire, parce que je pensais que ça allait être mieux, je pensais que ça allait être plus sympa, je pensais que j'allais être vraiment en accord avec tout ça, mais tellement pas. En fait, il s'est clairement trompé de direction. Pourtant, c'est ce qu'il a demandé. Pourtant, il a fait en sorte de te mettre dans le silence et de ne plus te contacter. De te dire que c'était fini et que tu devais passer à autre chose. Arrête de m'attendre, ça sert à rien. Je ne reviendrai jamais. Et en plus, j'ai rencontré quelqu'un avec qui je me sens bien et patati patata. C'est certainement ce genre de phrase que tu as dû entendre. Mais ce n'est pas totalement la vérité. Parce qu'on voit que le temps passe, le temps évolue et qu'en fait, il y a une forme de culpabilité. Il ne sait plus dans quelle direction il doit aller, il ne sait même plus s'il est bien avec cette personne. Parce qu'il va chercher en fait cette forme de lumière, cette forme d'apaisement. Tu vois, un petit peu ce qu'il avait vécu au début quand il avait fait en sorte de te mettre dans le silence. Et que par obligation, il se retrouve face à un choix. Et je vais devoir faire un choix qui fait partie de l'ordre des choses. Ça fait, je dois faire le choix d'accepter que je pense encore à toi. Alors tu vas me dire, ouais, mais pourquoi du coup il est parti alors qu'il sait que nous, c'est quelque chose de plus fort? Parce qu'il tente, il expérimente, il teste. Il a quand même cette décence de le faire. Personne n'a dit que c'était bien. Mais si tu n'expérimentes pas, si tu n'essayes pas, tu sais pas en fait. Alors, tu pourras juger, tu pourras jeter la première pierre. Oui, bah, de toute façon, il n'y a qu'à s'en prendre qu'à lui-même. Moi, aujourd'hui, je suis bien dans ma vie. Ouais, ok, bah, du coup, c'est ok en fait. Mais si c'était si ok que ça, ce genre de commentaire, je ne le verrais pas. Donc, c'est que ce n'est pas véritablement ok pour toi. Ça, c'était mon aparté. Tu sais, hein, sois honnête envers toi-même. Sois pas honnête envers les autres. Hein, sois pas honnête pour montrer que tu es vaillante ou que tu es vaillant et que de toute façon, il ne mérite que ce qu'il a et patati patata. Ça, c'est de la colère profonde. C'est surtout colère contre toi-même. Là, on est sur autre chose. Il va falloir que tu développes un peu plus. Il va falloir que tu ailles comprendre pourquoi tu es en colère. Pourquoi as-tu accepté cette situation, en fait? Tu vois, on ne peut pas toujours jeter la pierre à l'autre parce que dans cette histoire, on est toujours deux. Bon, bref, je ne suis pas là pour parler de toi. Je suis là pour parler de la personne que tu aimes. Même si tu dis que c'est fini. Et on voit justement que c'est la clé, c'est les pensées pour toi. C'est, j'ai peut-être pas pris la bonne direction, j'ai peut-être pas fait les choses comme il devait. Dans les faits, oui, mais dans le fond, il devait passer par là. Tu t'aperçois du bonheur qu'une fois que tu l'as perdu. Tu t'aperçois de l'amour que tu as pour une personne une fois qu'elle est sortie de ta vie. C'est pas plus bête que ça, quoi. Mais on est tellement habitué à ce qu'on nous apporte tous les jours dans notre vie du quotidien qu'on s'aperçoit même plus de ce que l'on a. Est-ce que tu apprécies d'avoir la santé avant de tomber malade? Mais clairement pas. Ça te paraît normal, c'est ton quotidien, c'est ton lot du quotidien. Et quand tu tombes malade et que cette maladie, elle t'empoisonne tous les jours un peu plus et que tu te dis, mais pourquoi j'ai pas profité avant, quoi? Pourquoi j'ai pas croqué la vie à pleines dents quand je le pouvais? Parce que tu étais tellement dans ton côté
Métro, boulot, dodo, que c'était de l'acquis pour toi. Mais rien n'est acquis, en fait. Ni la santé, ni le côté matériel, ni l'amour, ni rien du tout. À méditer aussi. Bref. En tout cas, elle prend conscience de l'appartenance que tu as dans son âme et dans son cœur. Et qu'il doit y mettre un terme. Il doit mettre un terme à cette mascarade avec cette autre personne. Il posera des compromis. Ça veut dire qu'il va déjà faire des compromis avec lui-même. Mais surtout, on est vraiment sur l'acceptation éternelle de l'amour pour toi et en fait de renaître. Je dois lâcher quelque chose pour me permettre de renaître. Je dois lâcher ça pour avancer. Les erreurs font partie de votre vie. Les erreurs font partie de votre enseignement. Tu n'apprends rien en étant dans le jugement. Tu n'apprends rien quand tu es dans la critique. Tu n'apprends rien quand tu es dans un moment égotique. Tu te plombes beaucoup plus que ce que tu devrais dépasser. Dépasse-toi, en fait. C'est dur de sortir du jugement. C'est dur de sortir de la critique. Remercie cette personne de t'avoir mis en travail. Remercie les personnes qui t'ont tourné le dos. Mais apprécie chaque instant que la vie te donne. C'est pour ça qu'on vous demande de vivre l'instant présent. Profite de ta santé, profite de tout ce que tu as à cet instant-là. On voudra toujours plus, mais même quand tu l'auras, tu voudras encore autre chose. Et après, encore autre chose. Et si tu te contentais de ce que tu avais? Quoi qu'il en soit, il prend conscience du lien. Il prend conscience de ce que vous avez. Il prend conscience de qui tu es, malgré ses erreurs. Il a raison d'avoir fait des erreurs. Et toi aussi, tu en as fait. On ne peut pas jeter la première pierre. Personne ne peut le faire. Même s'il y en a qui adorent le faire. Mais chacun a sa conscience. Hein. Moi, j'ai la mienne. Allez, des bisous.